Bonsoir tout le monde. Le sommet de ça. Sylvie Bobichon, Staline Bobichon, bonsoir. Rue de ça, bonsoir. Matt, bonsoir. Martin Elélé, bonsoir. Sylvie Point, bonsoir. Anissa Bibimbaré, bonsoir. Eli Yuke, bonsoir. Loa Lika, bonsoir. Janine Ganda, bonsoir. Kofi, bonsoir. Joseph Frass, bonsoir. Jean-Pierre Sigui, bonsoir. Cécile Ngor, Ngoloum Béa, bonsoir. Évelyne, bonsoir. Tamarche Camille, bonsoir. Bota Tongo, bonsoir. Mesdames et tout dit bonsoir. Bonsoir tout le monde. Que j'ai pas. Vous savez, je veux commencer par les résultats du concours. Les résultats du concours de la FASA. La FASA, c'est une faculté, la faculté agronomie et des sciences agricoles. Donc, c'est à Tchang. Il y a deux campus. Il y a le campus principal de Tchang et le campus de Bafia. Moi, je connais les gars Bafia qui ont fait le concours, les gars Bafia, les gars Yamassa qui ont fait le concours de la FASA. Il y a deux campus. Mais voyez-vous, on donne les résultats. Les 100% des admis sont de l'Ouest. Mais on va rester, on va crier. Qu'est-ce que le père Sekoudjou avait dit? Le père Sekoudjou avait dit que l'équilibre régional n'est pas bon. Mais nous savons que l'expérience a démontré que le père Hubert Mono Ndiana s'était rendu compte que quand on faisait un examen, les étudiants, les élèves de l'Ouest Cameroun avaient traité les épreuves. Ben Mounoundiana, il vit. Ils ont traité les épreuves et ce sont ces épreuves qui arrivaient à l'examen. Ça veut dire que c'est la même technique qui continue. Parce que quand on parle, les gens disent vraiment, vraiment, il ne faut pas que. Communiqué radio-presse. Ministère de l'enseignement supérieur.
communiqué Radio Presse, numéro 19-00-534, ministère de l'Enseignement supérieur, secrétaire général DAUQ, SD, on traverse tout ça là, on vient ce qui est important. Portant publication des résultats du concours d'entrée au principal, en première année du cycle d'ingénieur de la filière agronomie et forestière de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles FASA de l'université de Tchang au campus principal de Tchang et au campus de Bafia à titre de l'année académique 2019-2020. La promotion 2019-2020. Je vais lire les noms. Parce que on n'a rien contre les noms. C'est pour dire à notre père Sokoudjou. C'est pour ça que nous voulons ce qu'on appelle, c'est pour ça que nous on adore l'équilibre régional. C'est pour ça que nous sommes les défenseurs de l'équilibre régional. Chakwa, ça c'est le premier nom. Dimele, Fopi, je ne lis pas tout le nom, il y a plusieurs noms. Je lis seulement un seul nom. Fouken, Genin, Kenfak, Kometa, Lomofak, Lenga, Bianda, Bianke, Ngouche, Ngecha, Njoya Nsang, Njoya, Ngamlia, Nobos, Nuchaya, Nzoku, Saha, Tamacho, Tefak, Dokmo. Tawa Kedem, Chayem, Yep Memi. Ça veut dire que la première année, le concours d'entrée en première année a eu ça fait 24 noms. Tous de la région de l'Ouest. Pas de télévision qui va se plaindre que non. Les réseaux sociaux sont calmes. On ne voit pas de publication. Ça se passe de maison en maison. C'est bon comme ça. Moi, je connais bien les gars Bafia, les gars Yambassa qui ont fait le concours de la FASA. Oh, apparemment, ils ne sont pas sages. Ils sont faibles. C'est ce qu'on va justifier. La première des choses à faire, nous aussi, on va avoir notre part d'université qui allons organiser nos concours. C'est de ça qu'il est question, les amis. Vous voyez, comme je vous dis depuis ici, là, qu'on a mis la clé 14 à l'État. C'est de ça qu'il est question. Alors, on a voulu vous entraîner pour dire Paul Biya a gâté le Cameroun. Paul Biya a gâté le Cameroun. Paul Biya a gâté le Cameroun. Au même moment. Voilà donc une promotion d'ingénieurs agronomes qui vont sortir de 2000, qui vont sortir peut-être dans 4 ans, bien dans 5 ans. Toute une promotion. Bon, ok, dites-moi un peu. Quand il va falloir dire qu'il faut avoir des enseignants en agronomie. Il n'y aura que le garde de l'Ouest. Parce qu'on s'est arrangé au départ.
C'est de ça qu'il est question, Sa Majesté. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'on parle. Tous les jours. C'est de ça que nous parlons. Les gens se plaignent. Les gens disent que mais non, vraiment de Dieu, il ne faut pas l'équilibre régional. L'équilibre régional n'est pas bien. Mais je suis sûr. Si on disait que chaque département organise son concours, mon ami Lembamo allait passer. On a bien compris. Lembamo allait passer. Gars, je connais bien comment ça marche. Je connais comment on organise le concours au Cameroun. Je connais comment ça se passe. Je connais. L'autre, on ne peut pas m'apprendre de l'autre là. Je connais comment ça marche. Du coup, la télévision du village est tranquille. Là. Le concours là, il est bon. Très bon. Le concours là, il est très bon. En tout cas, oh, j'ai pas mis ça, pourtant je devais mettre ça. Attendez un peu. Les gars, c'est de ça qu'il est question, hein. Ouais, pourquoi nous vous disons tous les jours qu'on a mis l'État, la clé 14, on fait ce qu'on appelle diversion. On va un peu voir le commerce extérieur du Cameroun. Apparemment, ça fait trop du bruit. À gauche, à droite. Il faut donc maintenant qu'on s'intéresse au commerce extérieur du Cameroun. C'est ça qu'il est question, non? On fait du bruit. Il faut qu'on s'intéresse un peu au commerce extérieur du Cameroun. Apparemment, comme on a suspendu le Cameroun de l'AGOA, c'est grave. Moi, je mets les chiffres 2018 devant. Alors, c'est ça qui est important. La manipulation ne marche plus. Hein. Ça va plus marcher. Quand on vient pour manipuler, on vient avec les chiffres.
le client de l'État du Cameroun en 2018. Chine, Italie, Pays-Bas, France, Espagne, Belgique, Bangladesh, Inde, Vietnam, Malaisie, Tchad, États-Unis d'Amérique, Allemagne et autres. Je regarde maintenant le pourcentage. Parce que c'est ça qui est important, le pourcentage du commerce extérieur avec les autres États. Apparemment, quand on nous sort de la Guala, on commerçait beaucoup. On essaie un peu de regarder les chiffres de 2018. Ça va faire en sorte que chacun aura l'idée nette de ce que la Goa nous apporte. Comme nous sommes sortis de la Goa, on sait que c'est fini pour nous. Il n'a resté pour l'Amérique. Ok. Papa, 2,6%. Je vous lis pour la Chine, hein. 22,2%. Ça veut dire que vous comprenez que si on arrête de commencer avec la Chine, on est en danger. À ce moment-là, le président vient donc couler en Chine. Apparemment, j'ai vu les tentamas à la télévision dire que vraiment de Dieu à Goa, c'est important, c'est 2,6% de commerce extérieur. 2,6% de commerce extérieur. Ce sont les chiffres de 2018. Quand la Chine est à 22 et ils parlent beaucoup pour 2,6%. Ok. Oh Seigneur. Pardon, il faut laisser. Ça sert à rien de faire trop du bruit. Ce sont les chiffres, c'est pas moi. Ministère du Commerce, République du Cameroun. C'est pas moi, je n'invente pas. Donc, qu'on nous laisse un peu tranquille. Qu'on nous laisse un peu tranquille. Ça c'est des choses qui ne servent à rien du tout. Ça sert à rien de venir trop parler. Ça, c'est 2018. Qui nous laisse tranquille. C'est 2,6%. Donc, à Goa ou pas à Goa, ça ne va rien changer. Ils sont au même titre que le Tchad. C'est quoi ça, non? On fait trop de bruit pour quelque chose qui... Ah, dis donc. Laissez les Camerounais tranquilles. On comprend. Les clients du Cameroun en gaz naturel liquéfié. On va dire des choses, plus qu'on fait le commerce, non? La Chine se tape 44%. L'Inde 39%. France 10%. Taïwan, 7%. Jusqu'à là, je ne vois pas toujours à Goa. Même là aussi, il n'existe pas. Ouais. Qui nous laisse un peu tranquille? Qui nous laisse tranquille? L'autre là, ça ne marche plus. Il parle fort, on sort les chiffres. C'est ça que les questions. Ils parlent trop fort, on sort les chiffres. On dit voilà les chiffres. Bonsoir frérot.
les fournisseurs du Cameroun en 2018, en tête, Chine, France, Nigeria, Pays-Bas, Thaïlande, United States of America, Togo, Inde, Belgique, Allemagne, United States of America, 3,9%, Chine, 18%, Papa, Agoa. Ça ne va rien influencer. Qu'on est dedans, qu'on est dehors. Évolution de la balance de paiement. Est-ce qu'ils peuvent encore manipuler encore les Camerounais? Ils ne peuvent plus manipuler. C'est fini ça. Alors quand des gens qui ne comprennent rien à rien vont venir nous dire Jésus est monté, Jésus est descendu. On a les chiffres. À quoi? 2, machin, ça ne sert à rien. On nous laisse tranquille. On nous laisse tranquille un peu. Il va continuer. Tout le monde connaît les accords entre le Cameroun et la France. Mais il y a un détail. Ce que les gens ne savent pas. On connaît les 11 accords secrets. Mais il y a les accords dans tous les domaines. Et c'est ça que le président Biya ne fait que modifier. Modifier. Je vais lire un peu ça. Je vais vous prendre un accord là. On avait signé ça en... Accord numéro 1958-01-22 du 31 décembre 1958. Convention franco-camerounaise relative à la monnaie et au commerce extérieur. Tout ça là. Le président bien ne fait que modifier. Il modifie, il faut que modifier. Quand il arrive sur ça, il modifie. Non, je dois continuer à lire ça par ordre. Les gens comprennent le travail que ce vieux abat. Quand il ouvre, il modifie ça. Il modifie ça. Ça ne plaît pas aux gens. Ça ne plaît pas. On continue. On va dire aux Camerounais la vérité. Pardon, qu'on nous excuse. Accord numéro 2002-01-72. Signé par la France le 9 décembre 2002. Consolidation de la dette. L'État du Cameroun fait les États. Avec la France, on dit, bon voilà, votre dette est de temps. On ratifie.
Accord numéro 2-0000063. Date de signature le 19 juin 2000. Séjour du détachement d'instruction opérationnelle C-130 sur la base aérienne de Garoua. Vous connaissez les Blancs qui étaient à Garoua là. Les Blancs qui étaient souvent là à Garoua, là, à la base aérienne de Garoua, où le président Biya, quand le président Biya donnait l'ordre de s'apporter d'abord pour eux, il fallait qu'eux-mêmes valident. Avant que l'ordre du président Biya, pour un exemple que vous compreniez, quand le président Biya, par exemple, demande que l'armée de l'air aille bombarder Boko Haram, s'il n'avait pas modifié ça, il fallait d'abord que les Blancs qui étaient là à Garoua valident. C'est ça, le président Biya a modifié. En 2000. C'est lui le chef des armées. Quand il prend la décision là, les gars sur le terrain appliquent. Il n'y a plus quelqu'un qui va dire que vous allez faire quoi. C'est pourquoi, est-ce que c'est important? Est-ce que le pays est en danger? Est-ce que... Non. Et ça ne plaît pas aux gens. Et nous, on connaît. C'est pour ça qu'on le soutient. Paul Biya, aïe! Ça va les faire mal, mais c'est les vérités. Et ce sont ces vérités qu'il faut dire aux Camerounais. Ça ne plaît pas au matin pêcheur. Vous savez, le matin pêcheur se met à côté de l'eau. Quand le poisson passe, tchouk, il part au bord de l'eau, il mange. Quand ça finit, il revient encore. Le poisson passe. Il mange, il revient. Le président Biya a bien vu les matins pêcheurs. Accord numéro 2-0000049 du 25 avril 2000. Transfert transfrontalier des déchets dangereux pour éviter ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez les déchets dangereux qu'on est venu verser en Côte d'Ivoire là. Ça a fait gaffe là-bas, les déchets nucléaires. Président Biya, il ne faut pas oublier, hein. Quand ils font leurs machines nucléaires là, c'est le dépotoir chez nous. Président Biya a modifié. Donc quand ils font la poubelle là-bas, les déchets qui arrivent là, ils amènent, viennent verser ça en Afrique. Président Biya a modifié. Accord numéro 000012 du 10 mars 2000. Convention entre le ministère des Affaires étrangères de la République française et le ministère de la Défense du Cameroun relative à la création du pôle aérien de Garoua. Du pôle aérien de Garoua. Là encore modifié. C'est un patin qui ne blague pas. Et on part nous sortir quelqu'un dans un petit mouchoir de poche. On nous dit que c'est le plus grand intellectuel du Cameroun. Mon frère, le père Ogmelin, j'ai jamais entendu qu'il est pape en mathématiques. Mais j'ai entendu pour la première fois de ma vie qu'on nous dit que quelqu'un qui prend le droit que les autres ont écrit, il se met seulement à lire. Il n'a rien changé sur ça. Il n'a rien. Il lit seulement. Mon frère, on dit qu'il est le pape. On nous le présente que c'est lui qui doit venir s'asseoir et étudier. Papa, ton nom n'est pas encore arrivé. Et Paul Biya, il nous a sauvés. Parce que si l'État est tout dit, assis là-bas rien que pour ses intérêts, il n'allait rien toucher de tous ses accords. Il n'allait pas toucher. Est-ce que le journal Le Jour, pour vous écrire ça? Non. Le journal Le Jour va vous écrire comment c'est un feignant, c'est un ceci, c'est un cela. Non. Des informations. Il est temps de restituer le travail du président Biya. Je suis désolé. Les gens qui ne sont pas contents là,
Accord numéro 1, 9, 9, 9, 0, 1, 3, 2, du 28 octobre 1999, avenant à la convention fiscale du 24 octobre 1976. Et mon frère, même dans la fiscalité, les gars étaient couchés sur nous. Il était couché sur nous. Ah, le président Biya, il a modifié. Est-ce qu'il y avait un domaine où il n'était pas? Ils étaient partout comme les fourmis. C'est ça que ce père a passé 37 ans à faire. Il modifie. Quand ça arrive, la période arrive, il modifie. Quand la période arrive, il modifie. Quand la période arrive, il modifie. Aucun média ne peut dire qu'il travaille. Non! S'ils tentent de dire qu'ils travaillent, on va les enlever du satellite. C'est ce qu'ils disent. Nous, on doit faire ça ici. Accord numéro 1, 9, 9, 8, 0, 2, 4, 5, du 20 mars 1978. Le président a encore revu la dette. La dette, c'est là, il faut qu'on revoie encore ça. La revue. Accord numéro 1, 9, 9, 6, 0, 2, 2, 6, du 10 juin 1996. Accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Cameroun. Sur la tarification des cartes de séjour et de résidence au Cameroun pour les ressortissants français. Vous savez qu'avant, ils entraient zéro carte de séjour, ils n'avaient rien, ils venaient seulement, il est chez lui. C'est l'accord là. Le président Biya a dit que. Il faut qu'on vous mette les cartes de séjour là. C'est l'affaire là. Il faut que vous commencez à payer. C'est quelque chose de très important. On a instauré pour eux les cartes de séjour. Avant là, c'était ça, ça y est. On ne peut pas vous dire ça. Que le vieux si. Vous voyez comment c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. C'est 11 formats, hein. C'est 11 formats, hein. Pour que tout ça là change. Il faut changer, faut modifier tout ça là. Tu peux le faire en 50 ans. Je vous rappelle que d'autres pays africains n'ont encore rien changé. On a des sorciers qui sont là, qui n'informent pas le peuple. Ils sont là pour faire de la manipulation parce que ce qui les intéresse, c'est remplacer le colon. Nous, on soutient le président Biya. Le feu sort seulement. Accord numéro 1, 9, 9, 6, 0, 1, 7, 2, du 7 juin 1996. Vous comprenez pourquoi on avait commencé la déstabilisation depuis les années 90? Donc, si le président Biya partait pendant les années 90, tout ça, on allait renouveler encore deux siècles. Tout ce que je dis là. On l'a renouvelé. Papa. On a renouvelé en Côte d'Ivoire avec Ouattara quand on l'a passé premier ministre. Puisque le père Oufouette était malade. Quand le président Gbagbo arrive, il trouve qu'il ne peut rien. Il commence à faire les magnétiser pour modifier ça. Le président Gbagbo, on dit que il veut faire le coup de monsieur Biya. Non, 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 il faut qu'il parte. On l'a envoyé à la CPI. Nous avons des sorciers qui viennent nous dire que non, le président Biya a fait que. Le président Biya a fait que. Pardon, laissez notre père tranquille. Il travaille bien pour nous. Accord numéro 1, 9, 9, 4, 0, 3, 0, 7, du 30 septembre 1994. Accord de réaménagement de dette. Entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Hé!
à Nyamba. Ce père-ci, il a travaillé. Est-ce que Mdjuna peut parler de ça? Non. Il ne peut pas parler. Ils vont venir vous dire qu'il n'a rien fait pendant 75 ans. Il a fait quoi? On vous dit ce... Moi, je vous dis ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait là. Tout ça, vous mettez quelqu'un là-bas là. Il va venir voir son intérêt. Comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. Vous avez suivi vous-même à Afri Média. Général Mambou. Général Mangou, 15 milliards. Telle personne, Kassarate, 14 milliards. Mais ceux qui n'ont pas compris, tous ces gens qui ont donné les milliards là, la question qu'ils n'ont pas posée, c'est qui va garder les milliards, les amis? Et là où ça devient intéressant. Si je viens te voir, je te dis, donne-moi telle chose, je te donne 30 milliards. La question que tu dois te poser, c'est que s'il me donne 30 milliards, est-ce que je vais garder 30 milliards? Tu vas dire non. Je dois mettre 30 milliards où? À ce moment, tu te mets à réfléchir. Tu fais ce qu'on appelle une projection. Tu le gardes en Afrique. Quel est le pays africain qui est stable? Ça n'existe pas. Conséquence. Il va te donner 30 milliards. Il va te dire, je t'ai ouvert un compte aux Bahamas. Il te donne le numéro de compte. Il te dit, voici ton mot de passe. Voici. Dans ton compte, lui-même, il a aussi la signature. Quand tu sors, tu vas aux Bahamas prendre de l'argent. On te dit que non, allez voir votre... Il faut que vous ayez aussi la signature de votre client. Quand tu l'appelles, que je veux l'argent, tu dis que non, vraiment, j'ai des difficultés, je ne peux pas arriver là-bas, bon, ok, je vais. Tu te rends compte que tu as l'argent au Bahamas, mais tu ne peux pas toucher. Les amis, voilà le système, comment ça marche. Dès que quelqu'un te dit, je te donne 30 milliards de commission, la question que tu dois tout te poser, qui va garder? Qui va garder? Il s'arrange à ce que vous n'ayez aucune institution financière sérieuse et forte pour que vous compreniez facilement. Parce que les gens n'ont jamais compris la guerre du Liban. Vous savez pourquoi on avait fait au Liban la guerre? Les Arabes avaient décidé de faire du Liban la Suisse. Les Arabes ont pris tout leur argent, commencé à mettre, quand on a décidé de passer au pétrodollar, les Arabes ont décidé de faire du Liban la Suisse. C'est là-bas qu'ils devaient garder leur argent. Les Blancs ont dit, hein, comme ça, hein. Donc vous allez faire du Liban la Suisse, hein. Ok. Ils sont allés au Liban. Toi, tu sais que tu es chrétien, non? Tu marches avec nous, non? La guerre du Liban a duré 20 ans. La vraie raison, c'était pour démanteler les institutions financières des Arabes qu'on avait déjà implantées au Liban. C'est ça la vérité, les amis. À chaque fois que quelqu'un vient vous proposer de l'argent, la question qui devrait mettre dans votre tête, je garde ça où? Je garde l'argent là où? C'est ça qui arrive entre nos papas qui sont en prison et les hommes d'affaires, nos frères de l'Ouest. Quand il détourne, il donne à son ami, son frère de l'Ouest. C'est son frère de l'Ouest, à lui seul qui sait où est l'argent. Mais lui, il ne connaît pas. Il est aussi là, élan. Il attend seulement qu'on lui dise que bon, l'argent est là, papa. On t'a envoyé l'argent là-bas pour que tu manges. C'est ça la vérité, les amis. On ne vous trompe pas. Le président Biya, il faut être avec ce vieux. Nous sommes avec le vieux, on ne blague pas. Accord numéro 199-400-59 du 31 mars 1994, avenant à la convention fiscale du 24 octobre 1976. Ce papa-là, ce pater, il a woke, hein? Il a woke. Accord numéro 199-400-09 du 24 janvier 1994. Circulation et séjour
des personnes. Là aussi, le pasteur l'a modifié. Et, gars, c'est pour ça que nous, on le soutient. On ne peut pas dire ce qu'il a mis à l'intérieur. Mais on sait que c'est modifié. On sait. C'est modifié. Donc, accord numéro 1-993-01-46 du 30. Cet accord a débuté on a adopté cet accord le 30 août 1993 et la France a signé le 30 août 1993. Vous savez quel secteur? Le secteur cinéma. Même dans le cinéma, on avait les accords. Et mon frère, tu pars au cinéma, tu ne sais pas que dans le billet que tu payes là pour entrer, pour voir le cinéma, la France a quelque chose. Vous avez des Camerounais. Il n'y avait pas un secteur qui pouvait produire de l'argent où il n'était pas. Et on passe le temps à laver le président, il n'a rien fait. Le président, vraiment, le président. Non. Il y a d'autres dossiers plus importants. Même dans le cinéma, il y avait les accords, papa. Laissez-nous tranquilles, je vous jure. Accord numéro, nous on est derrière le président. Par contre, c'est où le président amène le bateau. Accord numéro 1992-0070 du 30 mars 1992. Accord de consolidation des dettes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Les amis, vous voyez que être président, c'est pas facile d'être. Accord numéro 1-991-0099 du 25 mai 1991. Suppression réciproque de l'obligation de visa de sortie et d'entrée. Je ne dis pas quel service. Il y a les gens là-bas, il y a une de là-bas qui prend seulement sa mallette, il part en France. Et ça existe, hein? Les amis. Les gens là-bas. Ils ne partent pas en France. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle visa. Accord numéro 1-993-66 du 5 novembre 1990. Arrangement administratif général relative aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Ils étaient partout. Même dans les choses de la CNPS, ils avaient la main là-bas dedans. Vous dites que le président ne travaille pas. On vous montre ce qu'il fait. Il a bas comme travail. Et c'est ça que ces gens voulaient nous dire que non, vraiment. Le président ne travaille pas. Accord numéro 1-993-65 du 5 novembre 1990. Sécurité sociale des étudiants. Vous ne pouvez rien faire. Tout était cadenassé. On vient dire qu'il n'a pas travaillé. Un pays s'est bâti de génération en génération. Le président qui viendra après lui aura des coudées franches.
pour dire je peux modifier ça, je peux modifier ça, je peux faire telle chose. Parce que le président bien aura balisé le terrain. Il a passé 37 ans, voire 40 ans, à mettre les balises. Malheur. Parce qu'il va nous sortir tout ce qu'il a modifié là, avant qu'il parte. Chaque Camerounais devrait avoir ça. Malheur à un président qui viendra encore vouloir dire qu'il faut. On finit avec lui. Accord numéro 1990362 du 5 mai 1990, sécurité sociale. Toujours le président, il a modifié. Tout ça sont les accords avec la France. Hein. C'est avec la France, mes amis. C'est avec la France. Tout ça là. On dit que le président ne travaille pas. Nalumi. Accord numéro 1990359 du 20 novembre 1990. Coopération, décentralisation. On est en 90. Le président avait déjà compris que décentralisation, il y avait une coopération, ça prenait l'argent. On a modifié. Mes chers amis, vous voyez, quand vous n'êtes pas informé, on vous manipule. Le président travaille. Il ne peut pas vous le dire qu'il travaille. Accord numéro 1990173 du 20 septembre 1990, advenant à l'accord de consolidation des dettes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Bon travail. Le gouvernement de la République du Cameroun, en date du 25 juin 1989. Le président, les amis, donc, quand vous voyez tout ça, vous rendez finalement compte quoi? Vous rendez finalement compte que le type là, il est fort. Il n'y avait pas un domaine dans les colonies où il n'y avait pas un accord. À ce moment-là, vous vous rendez compte que les 11 accords étaient dans un domaine bien spécifique. Mais la vie au quotidien des Camerounais, il y avait les accords. Partout. Mon frère, mais il faut féliciter ce vieux. Au lieu d'être félicité, qu'est-ce qu'on apprend? On nous dit que wow, il ne travaille pas. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a réveillé les traîtres qui sont dans le système de saboter. Construction de stade, on sabote, on dit c'est le président. Mon frère, c'est les documents qu'on ne partage pas des. Sachez, c'est les documents qu'on ne partage pas, mon frère. C'est pas tout qu'on partage. Tara, je dis ça ici là pour que vous compreniez que le vieux là travaille. C'est pas à partager, frère. Travail. On dit construction de la route, autoroute, Douala, Yaoundé, Douala, on sabote. C'est ça qui est la question. Après, on vous dit non, il ne travaille pas vraiment de Dieu depuis qu'on construit de maintenant. Lui, son but, c'est de dire que voici les financements de la route pour que les Camerounais conduisent bien la construction de cette autoroute. Les Camerounais sabotent. Ils disent que c'est le président. Écoutez, attendez un peu. Il faut comprendre un peu la logique. Moi, parfois, je me pose la question de savoir quelle logique ces gens ont. On veut améliorer les conditions du déplacement des populations. Les gars sabotent le projet autoroute Yaoundé. Voilà, ils sabotent. Le président met l'argent pour le dédommagement des populations riveraines. Il sabote. Et après, on va venir accuser le président. Je suis en train de vous lire les accords, papa. C'est un pays, hein.
n'y a pas un secteur où il n'y avait pas les accords. Il n'y a pas. Donc, vous vous rendez compte que quand vous devenez président, vous avez tout ça. C'est concentré sur vous. Vous vous posez une seule question. Qu'est-ce que je fais? C'est tellement beaucoup que... Voilà. Les voici. Il vient me dire, c'est qui c'est? Mon frère, qui t'a appelé ici? Ouais. Bara Vladimir, je ne peux pas discuter avec toi. Parce que vous êtes les mêmes gens. Il vient me dire, où sont les routes? Où sont les autoroutes? Où sont les mêmes? Dégage! Que tu viens faire ici, là? Cherche ta route. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas un seul secteur, un seul domaine. Accord numéro. Vous pouvez écouter seulement. 1, 9, 8, 9, 0, 4, 1, 0, du 11. août 1989, accord sous forme d'échange de lettres entre le ministre de l'économie, des finances et du budget de la République française et le ministre des finances de la République du Cameroun relatif au rééchelonnement des paiements dus à la France par la République du Cameroun au titre de la dette à vue. Accord numéro 1989-0225 du 28 juin 1989, accord de consolidation de dette entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Le pâté, si là, regarde, nous on le soutient. Tant pis pour ceux qui pensent qu'on le soutient parce qu'ils nous donnent quelque chose. Mon frère, on le soutient parce que nous, on sait qu'ils travaillent pour les générations qui vont venir derrière nous. Il y a un adage qui dit, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il fallait sacrifier une génération pour que ceux qui viendront derrière nous une vie meilleure. C'est ça la vie. C'est pour ça que les gens peuvent se plaindre que nous on était une génération sacrifiée. Non. C'était parce qu'il y avait les accords. Ils ne pouvaient rien faire. Rien du tout. Je dis bien rien du tout. Il y avait mon ami qui devait venir ici, qui a suivi le direct. Il m'a dit qu'il devait venir régler mon problème de machin. Je l'ai attendu. Ou peut-être il est venu, il a peut-être sonné, je n'ai pas compris, parce que le sommeil m'a emporté. Donc j'ai roussé un sommeil, je me suis seulement levé comme ça en sursaut. Je ne sais pas s'il est passé. Même. Donc, les gens... Les gens disent que le président n'a pas fait... Non, mon frère, le président a beaucoup travaillé, il travaille beaucoup. Beaucoup même. Nous, on connaît qui voit. Beaucoup. Accord numéro 1987-0415. Du 24 novembre 1987, commission mixte franco-camerounaise de coopération. Voilà, le pays de le Cameroun a souffert. Tout ça là, pour un pays. Vous pensez que quand on vous dit il y a les soldats français qui sont là-bas, c'est vous qui payez. Vous pensez qui paye. Dès qu'ils sortent comme ça pour faire une petite mission, non, on vous sort une facture qui ne finit pas. C'est ça la vérité. Accord numéro 1985 du 15 mai 1985.
échange de notes portant approbation de l'arrangement de coopération signé le 7 mai 1985 entre le ministre des Postes et Télécommunications de la République camerounaise et le ministre délégué auprès du ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur chargé des Postes et Télécommunications. Il n'y a pas un seul domaine, il n'y a pas un accord dans la vie au quotidien d'une nation. C'est ça que je dis là. Vous croyez qu'on va finir ça aujourd'hui? Non, on ne peut pas. Tellement beaucoup que, quand il parle, tu dis que mais le président Biya, c'est un monsieur qu'il faut vraiment féliciter. Hein? Dire, il faut féliciter ce papa. Parce que souvent, quand je lis tout ça, je dis que merde, le pâté ici. Ce monsieur, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous avais dit, il nous faut trouver un jour. Ça sera la journée de célébration du président Biya. Soit le jour où il décidera de prendre sa retraite, soit le jour où il va décéder. Parce que moi, je vous savais que moi, je suis un gars qui est clair. Moi, ma position, elle est connue officielle. Je la donne tous les jours. Qui nous crée un poste de vice-président. Il nomme un vice-président. Il reste président. Le vice-président fait tout. Parce qu'il y a trop de traits. Il y a trop de traites. Il nous nomme, il nous crée un poste de vice-président. Il nomme le vice-président. Il est là. Vieux, vieillard, il est président. C'est le vice-président qui dirige le pays. Jusqu'à ce que Dieu le rappelle. Là, 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 là. Trop de traites. La traîtrise, c'est au top. Grand frère, demain, je ne sais pas. Soit tu lanceras le direct de chez toi là-bas. Je ne sais pas comment tu vas faire. Soit tu lances le direct de chez toi là-bas. Comme ça, moi, je me connais. Je ne sais pas comment tu vas faire. Oui. Si mon ami là passe demain matin, parce qu'il m'a envoyé un message là qui passe demain matin. Barak me demande de parler de Paul Riking et la banane de Ndjombe. Il faut toujours connaître la vérité. Les plantations de Ndjombe Penja étaient d'abord gérées par des Camerounais. Il faut toujours commencer. Ça s'est passé en deux étapes. Au départ, c'était la France qui était en haut. Après, le président Aïdjo a switché, les machines ont changé. Les actionnaires ont changé. Le Cameroun est devenu actionnaire majoritaire. La France est devenue actionnaire minoritaire. Voilà comment c'était parti. Quand les Camerounais ont pris pour gérer les plantations de Ndjombe Penja. Papa, il ne faut même pas parler. Jusqu'à c'est arrivé à la privatisation, on a encore fait comme ça. La France a encore pris la partie, la France est devenue actionnaire majoritaire, le Cameroun est devenu actionnaire minoritaire, avec d'autres Camerounais qui sont devenus actionnaires dans ces entreprises. C'est ça qui est la question. Hein. Il y a des Camerounais qui sont devenus actionnaires dans les entreprises de l'État qu'ils ont privatisées. Ils sont devenus actionnaires. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand
tu nous dis de pour parler de pour le Viking et de Njombe Penja, papa. On connaît ça. C'est pour ça que moi je dis toujours que ce sont les Camerounais qui ont détruit le Cameroun. Ce n'est pas le président Biya. On est en train de voir. Autour, il y a des doigts là. Le président Biya fait ce qu'il fallait faire. Trouver les financements, trouver les partenaires, dit, faites-nous la route. Autour, il y a des doigts là. Il y a qui sabote? C'est le président Biya. Il faut le descendre sur terre. Ceux qui sabotent le projet autoroute Yaoundé Douala, ce sont des Camerounais. Mais quand vous allez voir un journal écrit, au lieu que ce journal dénonce les Camerounais qui sont en train de saboter le projet, il écrit, il indexe le président Biya. Et ça, nous, on a compris. On a compris, c'est pour ça que nous sommes derrière le président. On a compris. À quoi ça sert de m'indexer moi? On laisse les concernés. C'est pareil quand on démantelait la Cameroun Airlines. Ces médias n'ont rien dit. Quand on démantelait la Cameroun Airlines, 15 avions, on a tout vendu. C'est les Yango et les monsieur Unai qui parlait au quartier. Aucune presse à l'époque n'a dit mot. C'est quand on a fini de vendre les avions de la Camer, on a dépecé le mammouth, qu'on a commencé maintenant, on a enlevé celui qui est venu faire le démantèlement de cette entreprise, on l'a enlevé, il se la coule douce à Bafoussam, tranquille, on n'entend plus jamais parler. Tous ceux qui sont venus derrière, les Tundi, les Yves, tous ces bandits, ils venaient trouver une carapace vide. Et c'est sur eux qu'on bavarde, on tire, on raconte, on raconte, on raconte, on parle, on raconte, on parle, on raconte. Mais le responsable du démantèlement, silence radio, blackout, il a vendu tous les 15 avions de la Cameroun Airlines, vendu. Jusqu'à il a déplacé le centre technique de Boeing qui était à Douala. Il a signé tous les documents, tout. Après, quand on l'a enlevé, il manquait que le ministre qui signe. Après, arrive Issa Tiroma Bakari. Les amis, il faut qu'on vous dise la vérité. Il reste là pour raconter des bêtises. Il manipule. Arrive M. Issa Tiroma Bakari. Il arrive là-bas au ministère du Transport, il trouve le dossier sur la table. Tout est déjà fait, tout est déjà signé. Boeing met la pression. C'est comment? Le ministre Tchiroma, voulant sauver les mains, voyant qu'il ne peut plus rien, il n'y a plus rien. Là où il signe, ça part à Addis Abeba. Les qui ont fait ça? Les Camerounais. Ce n'est pas le président Biya. C'est de ça qu'il est question. Donc quand moi là, je connais toute cette manie, toute cette mafia là, quelqu'un m'a appelé, me dit, gars, moi Adèle, pourquoi tu supportes le président Bianca? Je suis désolé. Je suis pas le genre de personne qui connaît pas. Moi, je connais ce qu'on appelle en langage technique responsabilité. Dans un système, chacun est responsable des actes qu'il a posés. Tu ne peux pas poser les actes, c'est moi qui suis responsable. Non, ça ne marche pas comme ça. À chaque fois, quand je pars au travail le matin, quand j'ai fini de checker une machine, vérifier une machine, mon rôle c'est ça. Vérifier si la machine est en état de bon fonctionnement. Si la machine n'est pas en état de bon fonctionnement, je dois dire ce qu'il faut faire pour qu'elle soit en état de bon fonctionnement. Si je peux la laisser aller faire le travail et la mettre en réparation ou bien mettre la pièce en commande et dire, malgré qu'elle a ce défaut, elle peut travailler. Mais je l'écris dans la fiche d'inspection. Et on a averti le client.
que la machine a telle chose, telle chose, telle chose, la pièce est en commande, mais la machine peut travailler si le client veut utiliser la machine comme ça. Parce que le client, lui, il a ses conditions sur le chantier. Il veut une machine en bon état de fonctionnement. Il ne faut pas qu'il ait une machine, tu vas dire, tu l'avertis. S'il est d'accord et qu'il voit que son travail est en urgence, il va prendre la machine, il va travailler avec. S'il n'est pas d'accord, il va dire que donc il veut prendre ailleurs. Il te dit, repars d'abord ta machine. C'est comme ça, gars. C'est ma job. Donc, il est hors de question. Que la job que je n'ai pas fait, j'accuse mon boss. C'est comme ça que là, c'est bien reparti. Quand la faute me revient, gars, c'est moi qu'on frappe. C'est moi, s'il faut que la machine que moi j'ai vérifiée, elle est partie sur le chantier, elle a fait un accident et quelqu'un est tombé, quelqu'un est mort, on va prendre le mécanicien. On va dire, monsieur, vous avez inspecté telle machine. L'ouvrier était à 125 mètres de hauteur. Là, le volant là, il avait une fissure. Tu devais voir. Comme tu n'as pas vu, tu es pénalisé. Tu juges à la cour, on te jette en prison. Au Cameroun, on vient me dire que ce n'est pas ça. Que non, comme j'ai inspecté la machine là, que ça n'a pas marché. C'est le chef d'agence qui est responsable. C'est le chef d'agence, comme on dit que celui qu'on prend, on jette en prison. Gars, ça ne marche pas. Moi, j'ai cette formation, je connais ça. Je connais ce qu'on appelle responsabilité. Au Cameroun, nous avons des gens qui nous disent que non, il n'y a pas les banques à l'école, c'est le président. Il n'y a pas les seringas à l'hôpital, c'est le président. Il n'y a pas le pont dans mon village, c'est le président. Non, mes amis, ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre à donner des responsabilités à chacun. Ce n'est pas faire comme ça. Venir tromper les Camerounais en les manipulant, en les mentant, en refusant de dire la vérité. Gars, c'est pour ça que je suis moi no stress. Quand je dois dire, je dis que je connais ce qu'on appelle responsabilité. Quand elle est partagée, je dis qu'elle est partagée. Je me suis par le journal Le Jour, nouvelle expression, messager, les journaux du village, ils n'ont jamais écrit celui qui a démantelé la Cameroun Airlines. Ils n'ont jamais dit mot. 15 avions, il a tout vendu, tout. Après, il est quitté. Est-ce qu'ils peuvent l'appeler? Non, jamais. Mon frère, c'est que c'est pas facile, non, frère. Parce que parfois, quand tu lis ça, gars, il veut lire ça. Je ne peux pas finir ça aujourd'hui. Hein. Je veux lire ça. Je veux lire ça, peut-être même en trois semaines. Hein. Beaucoup, gars. Beaucoup, hein. Ça, c'est pour un état, c'est pour la République. C'est beaucoup comme ça. Le vieux, il prend, il modifie. Il prend, il modifie. Même ce qu'on a fait depuis, il prend, il modifie. C'est ça. Que les gars trouvent que mais décembre arrive, il va attaquer le franc CFA. Les gars ont dit que non, il faut qu'il parte. Les gars ont dit qu'il faut qu'il parte. Il va attaquer le franc. Il dit que non. Le 26 décembre, non, il va attaquer. Vous croyez que le président tchadien prend la parole pourquoi? Il va prendre la parole, vous allez voir. Il va parler du franc CFA. Il va parler du franc CFA. Les amis, ne les écoutez pas. Ils vous font ce qu'on appelle la diversion. Il y a juste un problème, les intérêts économiques. Ils ont voulu phagocyter le Cameroun pour des intérêts économiques. Mais sauf que ceux qui ne comprennent pas, Carrefour est venu s'installer. Ça veut dire que ceux qui ont l'habitude de faire le commerce de Carrefour, je vous donne rendez-vous, ils vont fermer. Parce que eux, ils font venir la marchandise, ils payent la douane. Ça veut dire Dove. Tous les autres. Tout ça, ils font venir de la marchandise, ils payent la douane.
pour que le gouvernement camerounais, et ça c'est mon point de vue personnel à moi, pour que le gouvernement camerounais les permette de ne pas fermer, il faut que le gouvernement camerounais aussi leur enlève la douane. Comme ça, les Dove, les Niki, les Super U, les grandes surfaces là, pour qu'ils puissent faire concurrence à Carrefour. Sinon, ils vont fermer. Vous allez voir. Il faut que le gouvernement camerounais les enlève aussi. Ça soit comme Carrefour fait là. Pourquoi Carrefour n'était pas venu avant les APE? Parce qu'ils ne voulaient pas payer la douane. Alors, dans ces conditions, donc, tous les Camerounais qui sont dans la grande distribution ne vont pas supporter. Ils vont fermer. Et c'est les Camerounais qui vont, vous allez voir, les Camerounais vont se verser au chômage. C'est la vérité. Tout ça, donc, ils vont fermer. Pour qu'ils ne ferment pas, il faut que le gouvernement camerounais les lève. Les frais de douane. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Moi, je dis encore, une fois de suite, on va continuer demain. Je vous remercie d'être venu. Ça va les faire mal parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. Mais je suis désolé, je vais vous dire la vérité. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on se dise la vérité. On détruit notre pays, on rend le pays, on dit le président bien responsable. Non. Ceux qui détruisent le pays doivent savoir qu'ils sont responsables. C'est ça qui est la question. Tout le monde a vu ce qui s'est passé à Lobo. Tout le monde a vu. Le chef du village, le maire, le sous-préfet à Lobo. Tout le monde a vu. C'est pas le président Biya. Heureusement pour nous, ils sont en prison. Mais personne ne parle. Personne ne dit la vérité. Le journaliste a pour mission de rapporter les faits. Ça devient très compliqué quand un journaliste devient militant. Du faux. 80% des journalistes au Cameroun, 80% non, 99% des journalistes camerounais sont des militants. Ils ne rapportent pas les faits. Vous avez vu. Equinox Télévision, il va à Bafoussam. Il filme la catastrophe à Bafoussam. Il fait serment de ne pas filmer les autorités qui sont sur place. Et quand tu vas présenter ça dans son journal, les gens ne verront pas les autorités. Qu'est-ce que ça laisse apparaître? Ça laisse apparaître qu'il n'y avait pas les autorités. Eh bien, certains Camerounais sont tombés dans le piège. On appelle ça la grande manipulation. Moi, je vais continuer à dire la vérité. N'en déplaise. J'ai vu quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé ce matin, me dit, mais dis-moi un peu, comment tu trouves l'invitation des patriotes à Afrique Média? Là, Je vais te parler simple pour que tu comprennes. Afrique Média invite les patriotes. Je donne la raison. La raison, elle est simple. Le président Ouattara demande au ministre des Affaires étrangères camerounais qu'il n'est pas content d'Afrique Média. Il demande que le président Biya ferme Afrique Média. Maintenant, le ministre
envoie le dossier. Quand il rentre, il fait le rapport, il envoie le rapport à la présidente. Le président renvoie la demande au ministre de la communication. Archimède, donc, dans sa stratégie, se rappelle qu'il a passé le temps à donner la parole à la basse à Paris. Il a dit, il faut donc faire balance d'informations, il faut aussi que j'invite les patriotes. Parce que ne soyez pas dupes, ils ont été convoqués par le ministre de la Communication pour leur faire part de ça. Donc, dans cette stratégie, donc, ils ont donc ouvert le plateau aux patriotes. Vous allez voir, ils vont passer autant à faire la part belle aux patriotes. Vous voyez donc que les gens ne font pas des choses sans intérêt. L'intérêt qu'ils ouvrent la porte aux patriotes, c'est parce qu'ils se rendent compte que il faut le faire, sinon les autorités vont dire que maintenant vous avez donné seulement la parole à la basse. Alors que sur le net, il y a aussi les patriotes. Ils étaient donc obligés d'appeler notre frère Bobson et notre frère Biké. Bimay, c'est ça. Vous comprenez? Et par là, ils ont aussi appelé deux opposants. À ce moment-là, ils ont appelé Bertrand Tshakwakye ici aux États-Unis avec monsieur l'autre, Nyamsi. Donc vous voyez un peu. C'est ça. C'est la stratégie, gars. C'est pour ça. Pas pour rien. Ils ont appelé ce gars. Il n'y a pas une autre lecture que tu dois faire sur ça. C'est comme ça qu'il faut voir l'affaire là. En tout cas, ils ont bien joué. Les Bikourou, le gars qui est directeur de quoi là, le gars du Nord là. Donc, tous ces gars là, ils ont bien joué, ils ont compris que non, ils ont appliqué la stratégie. Ils se sont rappelés que non, on a donné la parole à la basse, on n'a jamais donné la parole aux patriotes. Il faut équilibrer. Ils ont passé période de campagne, donné la parole au MSC, on a ignoré les patriotes. Quand les élections sont finies, le feu, on a donné que la parole que la basse. Maintenant que le président est venu siffler la fin du match, vous avez vu la basse, silence radio, on les a appelés. Monsieur, c'est terminé ça. Il parle encore. Est-ce qu'il parle encore? Vous le voyez encore? Oui, non, vous le voyez, Paris, c'est chez nous. Paris, c'est chez nous. Vous voyez encore, monsieur Cham? Terminé. C'est fini. Monsieur le Dian a sifflé fin du match. Chacun a repris son trou. C'est ça qui est la question, les gars. Et nous, on ne doit pas nous dire, nous, on appelle ça la distraction. Tous ensemble, restons derrière le président de la République. C'est tout ce que moi, je peux vous dire. Parce que le président Biya, son travail, il a bas un travail de titan. C'est pour ça que je vous ai dit, nous allons choisir un jour que nous allons dire Paul Biya. Attendez, il faut que nous, les Africains, on essaie de comprendre ce qui se passe. Vous pensez que les fêtes que vous fêtez là, Saint-Sylvestre, Noël, fête du mouton, fête du ramadan, mais c'est... Moi, je vais vous dire, il y a les îles là qui sont en Argentine. On appelle les îles là, les îles de Malouines. Dans les îles de Malouines, il y a un jour là-bas qu'on dit Margaret Thatcher Day. En fait, c'est une journée fériée payée. Quand l'Argentine avait attaqué les îles de Malouines, Margaret Thatcher était premier ministre en Angleterre. C'est qui a signé le décret qu'il faut que l'armée marine anglaise attaque l'Argentine pour les chasser des îles de Malouines. Il y a là-bas, officiel, Margaret Thatcher Day. C'est pareil ici au Canada, là où je suis. Vous avez de ces fêtes ici. Tu entends la fête du dollar. Tu entends la fête de ceci. Moi, c'est au travail que moi je vois. On a déjà écrit lundi est off. Je demande c'est pourquoi. On me dit qu'il y a telle fête. C'est chez nous en Afrique, là, il faut penser à ça. Les grands hommes doivent avoir des journées où c'est furieux, chez nous, on paye. Et ces jours-là, on va commencer par M. Biya. S'il a battu un travail de titan,
Et c'est ça qu'on veut faire passer dans la poubelle de l'histoire. On veut faire passer un héros d'un trait. Le président Biya, c'est un héros. Je dis bien un héros. Qu'on veut salir. Gars, moi, je suis allé à l'école. Je connais la différence entre un héros et un trait. Moi, je connais cette différence. Donc, personne ne peut me manipuler. Personne. Tu viens me manipuler, je te mets les faits sur la table. La vérité. Je te dis, quand, tu dis quoi? Il y a un compatriote qui est là, qui dit, vraiment ce gars-ci, tu dis que tu as fait l'école. Vraiment, tu dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, en fait, il est venu dans notre direct. Il a reçu le massue de sa vie. Il n'a jamais entendu ça nulle part. Et il dit que, est-ce que le gars-ci a même fait l'école? Mon frère, je vais te dire le but de l'école. Lire, écrire, savoir compter, c'est fini. C'est que l'école a encore notre. C'est ça l'école. Lire, écrire, compter. Division, oh, à Satan, oh, et à ton édition, oh, aïe.
Biya est venu au pouvoir le 6 novembre 1982. Nous allons baptiser cette date du 6 novembre 1982 Paul Biya. Ça sera Fury et Chomé. On va faire une proposition de loi. Le 6 novembre sera Paul Biya. Ça sera un Fury et Chomé. Tout étendu du territoire national. Ça sera payé. Paul Biya, parce que c'est le jour où le Cameroun a été libéré. Le jour où il se méche, c'est assis à Ituri. Je vous remercie, on se prend demain. Demain, c'est 10h direct. Bonsoir.